Ça va la famille? Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un nouveau jeu de cartes. Tu sais que j'adore les cartes où il y a des questions. Et là, c'est des cartes où il y a des questions en portugais. Et je vais piocher 6 questions auxquelles je vais répondre. Comme ça, toi et moi, on va se connaître encore plus, comme si on ne se connaissait pas assez. Et puis, si tu veux bien répondre aux questions dans les commentaires, je serai la meuf la plus heureuse de l'humanité. Ce qui est pas mal parce que l'humanité, c'est assez grand. Je prends 6 cartes et je vais répondre aux 6. Je les prends au hasard. Ta, ta, ta. Allez, 6. On est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde, j'ai pris 7. Bon, mais 7 cartes. Alors, la première. Quelles sont as suas caractéristiques mais marquantes? Quelles sont tes caractéristiques les plus marquantes? Ben, je pense que le fait que je sois toujours joyeuse, de bonne humeur, que je sois globalement toujours heureuse, aïe, et puis le fait que je sois une gentille personne, c'est une caractéristique marquante, hein? Donc il y a ça. Ouais, je suis globalement toujours heureuse. Je suis toujours gentille avec les gens et je suis très avenante. Peut-être c'est ça, les caractéristiques marquantes. Et puis je travaille beaucoup. Je suis très travailleuse. Est-ce que c'est une caractéristique d'être très travailleuse? Comment vous espérez que c'est déjà assez au futur nos prochains dois? J'ai déjà répondu. Non, mais j'ai déjà répondu dans une autre vidéo à ça. C'est bon, cette question m'a saoulée. Désolée, mais bon, j'en prends une autre. Alors, soit félicitage dépend de quelqu'un, est-ce que mon bonheur il dépend de quelqu'un et de qui? Bah, de moi. De moi et de personne d'autre. Il n'y a pas d'être humain qui a un impact direct sur mon bonheur. La personne qui décide d'être heureuse, c'est moi. La personne qui met en place les choses pour être heureuse, c'est moi. Et les gens, ils m'apportent un bonheur en plus, mais ils ne m'apportent pas le bonheur. Celui-là, il ne dépend que de moi et des situations, des choix que j'ai faits. Des choix que j'ai faits. Donc, non, mon bonheur ne dépend de personne. Bien sûr, il y a des gens merveilleux hein, qui m'apportent encore plus de bonheur, mais encore une fois, c'est du plus. Você já fracassou porque e o que aprendeu com isso? Est-ce que je me suis déjà éclatée? Et pourquoi et qu'est-ce que j'ai appris avec ça? Je pense que mon plus grand échec, ça a été ma première entreprise. Tu sais, je t'ai écrit une vidéo d'ailleurs sur ça, je l'avais tournée. J'ai eu un problème, elle a été perdue à tout jamais. J'ai jamais eu le courage de la refaire. C'était il y a des années. Et j'aimerais bien la refaire parce qu'elle était cool. Et elle parlait de mon plus grand échec. Mon plus grand échec, pour résumer, c'était ma première entreprise qui a duré pendant 6 ans, qui était géniale. J'ai appris énormément de choses parce que j'ai tout appris de A à Z. J'ai appris à faire un site internet, à faire un tableau Excel pour faire de la comptabilité, à faire des logos, enfin, j'ai appris à gérer des humains, j'ai tout appris dans ma première entreprise. Et donc, comme c'était une première entreprise, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Je me suis mal entourée. Et puis, j'étais très jeune, j'étais pas assez préparée. Et donc, j'ai fait faillite. Et cette faillite a été un énorme échec pour moi. Ça m'a beaucoup marquée. Et ça m'a beaucoup marquée aussi parce que je suis passée au tribunal. J'ai eu une interdiction de gérance pendant 5 ans, qui est passée depuis longtemps. Et ça a été une épreuve très difficile pour moi d'aller au tribunal. J'avais cette entreprise avec mon ex qui était Laurent et j'y suis allée seule avec mon avocate. Je ne sais plus pourquoi il n'était pas là, mais voilà, j'ai dû affronter ça seule. C'était ouais, une vraie. C'est quoi le mot? Épreuve. C'était une vraie épreuve pour moi. C'était très difficile. J'étais face à des hommes. Mon avocate, c'est une femme, donc on était deux femmes face à plein d'hommes qui me jugeaient, qui étaient très paternalistes avec moi. Qui était assez dur et en même temps ça m'a aussi beaucoup forgé parce que je me suis dit que je voulais plus jamais être dans cette situation et c'était très bien que ça m'arrive en étant jeune. J'ai monté mon entreprise, j'avais 22 ans et je l'ai fermée 6 ans après donc je devais avoir 28 donc j'étais vraiment très jeune. Et donc ouais, ça a été une sacrée épreuve, sacrée. Mais ça m'a pas empêché d'ouvrir d'autres entreprises, ça m'a pas empêché d'avoir des entreprises qui réussissaient, qui me rapportaient de l'argent, de faire beaucoup mieux après, de mieux gérer et d'être toujours entrepreneuse. Et ça fait partie du jeu. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Ben ça m'a appris que déjà on peut se relever, ça m'a appris à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et ça m'a appris à mieux m'entourer et à peut-être mieux me former aussi. Voilà. J'avais fait toute une vidéo sur ça, elle est trop bien.
La vérité, dis-moi dans les commentaires de te la retourner parce qu'elle est vraiment très bien. Quelle est sa meilleure définition sur effet? Quelle est ta meilleure définition de la foi? Moi, je suis pas une personne très croyante. Donc, peut-être que la foi, dans mon cas, ne sera pas une foi de croyance. Pour moi, la foi, ce serait de croire en quelque chose qui nous fait du bien en sachant pertinemment que peut-être que ça n'existe pas. Voilà. Mais ça nous fait du bien, ça nous permet de tenir dans cette vie qui n'est pas toujours facile. Vos conseils que colocar en pratique à ces poderes mentais, quels sont-ils? Est-ce que tu arrives à mettre en pratique tes pouvoirs mentaux et lesquels sont-ils? Je sais pas si j'ai des pouvoirs mentaux. Est-ce que j'ai des pouvoirs mentaux? J'ai pas de pouvoirs mentaux. Non, mais j'ai pas de pouvoirs mentaux, moi. Je suis. Peut-être mon pouvoir mental, c'est que j'ai une grande capacité de concentration quand je suis sur quelque chose qui m'intéresse et qui est important. Et du coup, oui, j'arrive à les mettre en pratique. Mais je sais pas si j'ai d'autres pouvoirs de. J'arrive à lire plein de livres en même temps. Un super pouvoir mental. Ok, palavra desafio suggère para você porque. Qu'est-ce que le mot défi suggère pour toi et pourquoi? Le défi, c'est quelque chose que tu te proposes à toi-même de réaliser avec un gain que tu te proposes à toi-même. Un défi, c'est un truc entre toi et toi-même que tu mets en place pour avancer. Parce que parfois t'as besoin de ça. Voilà. Parfois, tu as besoin d'une motivation. Et comme tu n'arrives pas à la trouver, alors que tu devrais pouvoir, tu te crées des excuses. Et le défi, c'est une excuse pour faire des trucs. Voilà. Si tu avais, si vous étiez poderes magicos, que mudaria nasceu relacionamento afetivo. Ah, si j'avais des pouvoirs magiques, qu'est-ce que ça changerait dans ma relation affective? Ma relation amoureuse? Attends, qu'est-ce que je pourrais changer si j'avais des pouvoirs magiques par rapport à l'endroit? Mais l'endroit il est trop bien, franchement je changerais pas grand chose. Je sais pas, j'aimerais pouvoir identifier et revivre les moments où j'ai été les plus heureuses dans ma relation amoureuse et juste les doux moments et pouvoir les revivre quand j'en ai besoin ou envie. Tu vas avoir un petit bouton magique et genre, tu vois, tous ces petits moments qui sont trop bien, les moments de câlin, de bisous, de machin, et qui m'ont vraiment, vraiment donné du bonheur. Ou le moment où Léandre me caresse les cheveux comme ça et que je suis la fille la plus heureuse du monde. Genre, j'appuie sur un bouton, bam, et je revis ce moment. C'est pas génial, imagine. Je revis ce moment. Voilà. Bon, je vais faire encore deux questions. T'as bon? Parce que vraiment, ça a été trop vite. Et je vais pas te laisser avec une petite vidéo de 8 minutes. Question 1. Ah non, c'est un peu les mêmes questions. Attends, on va changer. Me demander si j'avais des pouvoirs magiques, qu'est-ce que je changerais dans mes relations familiales? C'est pourri. Alors, si vous étiez poderes magicos, que pudesse voltar no tempo, que você mudaria na sua enfance. Si tu avais des pouvoirs magiques qui te permettaient de revenir dans le passé, qu'est-ce que tu changerais dans ton enfance? Moi, je changerais pas grand-chose dans mon enfance, même si elle était un peu compliquée. Tu sais, je t'ai fait un peu des vidéos. Ma mère, c'était une femme battue, donc c'était compliqué. On était très, 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 très pauvres, donc c'était très compliqué. J'ai vécu dans un immeuble insalubre pendant longtemps, c'était très compliqué. J'étais beaucoup emmerdée à l'école et au collège. Donc c'était un peu compliqué. Je me suis beaucoup fait emmerder dans ma favela, dans la cité dans laquelle je vivais, donc ça c'était très compliqué. Mais je crois qu'en fait, tous ces trucs-là qui ont été complexes, les humiliations, les moments difficiles, les moments de violence. Dans un sens, j'aimerais bien les éviter parce que ça cause forcément des dommages sur le après, tu vois, qui tu es. Ça m'a causé des traumatismes pour plus tard. Donc, j'ai vu les conséquences. Je t'ai fait une vidéo sur les traumatismes d'ailleurs que j'avais vu par rapport à des situations de mon enfance. Ceci étant, je ne suis pas sûre que je voudrais ne pas les vivre parce que c'est ce qui m'a construit. Et d'ailleurs, quand je pensais être mère, c'était une vraie question pour moi parce que je me disais, mais si je donne tout à mon enfant pour qu'il soit heureux, si je lui apporte une vie hyper équilibrée, c'était mon but, tu vois, hyper équilibrée, avec beaucoup d'amour, hyper équilibrée émotionnellement, physiquement,
avec suffisamment d'argent pour que mes enfants ou mon enfant n'ait besoin de rien en fait. Et si je donne un accès à tout, comment est-ce que je vais faire pour qu'il puisse se construire comme moi je me suis construit et pour que cet enfant soit une bonne personne et ait conscience de la valeur des choses? J'ai pas de réponse parce que je suis pas une maman. La conclusion que j'avais eue à l'époque où je m'étais posé la question, c'était bah, que justement, peut-être on pouvait tout donner à un enfant et lui expliquer la valeur de ce qu'on lui donnait. Et peut-être que c'était ça qui créait le sens des valeurs et que l'enfant n'était pas obligé de passer par des difficultés pour avoir conscience des choses. Et donc, c'était mon plan de vie, de donner la valeur des choses pour tout à mon enfant. Mais sincèrement, aussi dur que ça ait pu être, peut-être que je ne changerais rien. Voilà. Peut-être que je serais plus présente pour ma petite sœur, parce que je pense que ma petite sœur a souffert du fait que moi je sois partie très tôt de la maison. Et comme on avait 5 ans d'écart, c'était complexe quand moi j'étais adolescente, elle était une petite fille. Et donc peut-être que je ne lui ai pas accordé toute l'attention que j'aurais dû lui accorder. Voilà, peut-être que c'est ça que je changerais. Dernière question. Comment você espera que seja o seu futuro nos próximos 15 ans? Ah, ça m'a gonflé. En fait, ces questions, elles me gonflent parce que, en gros, ils prennent la même question et il a duplique. Et c'est chiant, donc je ne vais pas répondre. Voilà, j'ai décidé, je ne réponds pas, mais 15 prochaines années, c'est bon. J'ai répondu la dernière fois, mais 10 prochaines années, les 15 prochaines années, c'est à peu près pareil. Donc, du coup, on arrête là. J'espère de tout mon cœur que les questions de cette boîte à questions, même si elles sont répétitives, elles t'auront permis de te poser toi-même des questions. C'est bien en fait de se poser des questions, ça fait des petites piqûres de rappel en fait. Tu vois, on se dit. Parfois on avance dans la vie, on ne se pose pas de questions, juste on avance. Et c'est bien un peu de mélanger le dedans et de voir ce qu'on peut en tirer. Tu crois pas? Voilà, je te fais des bisous.